Ce 2 juin 2018, des militants du NTD, le Nouveau Temps pour la Démocratie, claquent la porte de leur parti. Ils seraient une cinquantaine à quitter le navire NTD suite à ce qu'ils appellent le manque de reconnaissance de leurs responsables. Les reproches sont particulièrement à l'endroit du premier responsable de ce parti créé en 2015. Ils reprochent à Vincent Dabilgou le non-respect de ses engagements vis-à-vis de certains militants de la province du Houé. Quand vous coordonnez sur quelque chose et qu'à un moment donné, ensemble, c'est lui-là qui est chargé de vous guider et d'orienter. Et en tout cas, le respect des engagements, si ce n'est pas tenu, je pense que ça ne s'ouvre aucun débat. Il faut vous chercher. Il y a un minimum de reconnaissance. Et vous savez, comme tout comme moi, il y a des gens, c'est de l'air de félicitations. Il y a des gens aussi, c'est des avancements. Et tout n'est pas une question de poste. Après le dernier congrès du parti tenu en mars dernier, ces démissionnaires disent avoir été surpris que ceux qui ont travaillé pour l'enracinement du parti soient royalement oubliés. Et cela au profit d'autres militants qu'ils qualifient de militants de la dernière heure. On a cherché à rencontrer le premier responsable à Ouaga, a dit qu'il n'avait pas le temps pour nous recevoir. Et nous avons dit, bon, si vous ne pouvez pas nous recevoir à Ouaga, est-ce que vous pouvez quand même revoir votre calendrier et essayer de faire quand même un passage bref ici? Il a dit qu'il n'avait pas notre temps. Donc vous comprenez que c'est un nom qui ne dit pas son nom. Voilà, et quand c'est comme ça, je pense qu'il est temps, il ne faut pas insister, il faut libérer le terrain pour la personne. Les démissionnaires disent ne pas avoir encore réfléchi sur la suite à donner à leur engagement politique. Ils n'excluent cependant pas de créer un nouveau parti ou poser leur valise dans un parti politique déjà existant.